Hey, tu savais pour Toy Story? Déjà à la base, Toy Story, avant d'être le premier long métrage d'animation animé par un ordinateur, rien que ça, c'est un court métrage d'animation nommé Teen Toy, réalisé par John Lasseter, le même réalisateur, et qui raconte justement l'histoire de jouets qui prennent vie. Tiens, l'un des premiers films générés par le système d'animation et de rendu de Pixar, sur lequel John Lasseter travaillait aussi. Et c'était tellement prometteur que ça les a poussés à vouloir faire un film de 75 minutes, avec les mêmes ressources, alors que c'était 10 fois plus long et compliqué. Du coup, ils ont passé 3 ans à tout storyboarder, plan par plan, comme s'ils faisaient une BD. Et surtout, pour totalement s'imprégner des personnages, ils sont mis à étudier des vrais jouets. Ils allaient assez régulièrement chez Toys R Us d'ailleurs, déjà pour piocher leurs jouets d'enfance préférés, et en foutre partout sur leur bureau, mais aussi bien sûr pour les inclure dans le film. On peut retrouver des marques grave connues d'ailleurs, comme Hot Wheels ou Little Tix. Et ça va même encore plus loin que ça, parce que certains d'entre eux ont ramené leurs vrais jouets de l'époque. Typiquement John Lasseter, qui pour le personnage de Woody, a ramené sa vieille poupée Casper qui date de l'Antéchrist, et qui comme Woody a une corde à tirer, Woody... Yes, can I stay with you? Pas du tout flippant. D'ailleurs, le nom d'Andy vient d'un hommage qu'il voulait faire à un des pionniers de l'animation par ordinateur. Andries Andy Van Damme, qui était professeur à l'université de Brown, et qui a enseigné à certains animateurs qui ont bossé sur le film. Son prénom, qui est écrit sous la chaussure de Woody et Buzz, et qui, plus loin que de montrer l'appartenance d'Andy à ses jouets, montre aussi le temps qui s'écoulait. Par l'usure, parce que le temps passait, mais aussi par l'écriture, parce que plus Andy grandissait, plus sa manière d'écrire évoluait. Et tiens, en parlant de Buzz, justement, au début, il devait s'appeler Lunar Larry. Sur les tests, il était tout rouge, mais vu que l'idée c'était qu'il ait l'air neuf et qu'il se démarque bien des autres jouets, ils sont partis sur du blanc. Et puis, faut dire ce qui est, vu qu'ils se sont beaucoup inspirés des combinaisons spatiales de la NASA, ça paraissait plus logique. Buzz qui est d'ailleurs parti physiquement dans l'espace avec une de leurs équipes, dans le cadre d'une vraie mission spatiale. Alors que paradoxalement dans le film, il manque de se faire écraser par un globe terrestre. D'ailleurs, les bruitages qu'on entend dans cette séquence ont été éhonteusement pompés d'Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. L'idée de la séquence en elle-même aussi, qui plus est. Par exemple, on peut entendre que le bruitage des punaises qui tombent autour de Buzz est le même que les flèches. Et que le globe qui s'écroule fait le même bruit que le gros boulet de Spielberg. Le gros boulet de Spielberg, oui bon, vous avez compris quoi. Et c'est pas le seul film auquel ils ont voulu faire hommage par le son, parce que le bruitage du chien de Sid qui dort, c'est le même que celui du T-Rex dans Jurassic Park. Comme le moment où on le voit ouvrir l'œil d'ailleurs. Dites-vous que ça va même encore plus loin que ça, parce que le personnage de Rex a été designé à la sortie de Jurassic Park. Et en fait, il trouvait ça bien de montrer un dinosaure sous un jour différent. Pas comme un truc effrayant, mais plus avec un manque de confiance en soi. Et justement, c'est le fait qu'il soit pas dans cette représentation cliché ou parfaite qui le rend authentique. C'est ses défauts qui font aussi sa personnalité. Ils ont carrément créé un poste spécial sur le film pour ça, celui d'imperfectionniste. En fait, Tia Crater était illustratrice, et son job c'était qu'on voit des choses imparfaites, que tout ne soit pas lisse. Par exemple, dans la chambre d'Andy, elle s'assurait qu'il y ait des éraflures de portes, des éclaboussures, de la saleté, des graffitis. C'était un poste tellement important que c'était écrit sur sa carte de visite. Et c'est la même démarche qu'ils ont adoptée pour les figurines militaires. Alors, pas dans leur tempérament, évidemment, mais plus dans leur modélisation. Déjà, ils ont volontairement mal moulé leur tête. Si vous regardez bien, ils ont des moulures en plastique qui sortent carrément de leur crâne. Leurs fusils sont tordus, encore une fois parce que dans la vraie vie, ils sont pas parfaits. Et leurs pieds sont toujours attachés au socle. Et justement, pour savoir exactement ce que ça faisait de marcher comme ça, et pour les animer de la manière la plus crédible possible, Pete Docter a mené une petite expérience. Il a pris une vieille paire de tennis, qu'il a cloué à une planche de contreplaqué, et il a fait courir les animateurs avec. Pour qu'ils vivent et qu'ils comprennent comment les figurines pouvaient avancer, spoiler, c'est très très dur, tout en les enregistrant bien sûr. Ils allaient tellement loin dans les tests IRL que pour la séquence où Sid crame Woody avec une loupe, Ralph Eggleston, le directeur artistique, a vraiment cramé la tête d'une poupée avec une loupe, pour pouvoir étudier l'impact sur le plastique des jouets et servir de modèle pour la simulation de texture par ordinateur. Encore une fois, pour que ça soit le plus proche de la réalité possible. Et croyez-le ou non, c'est un truc que faisait vraiment Mac Gabriel, le réalisateur de Pocahontas, quand il était petit. D'ailleurs, c'est après l'avoir raconté à l'équipe qu'ils ont décidé de l'ajouter au scénario. Et pour autant, le personnage de Sid n'est pas inspiré de lui, mais de l'enfance d'Andrew Stanton et de Joe Ramft, qui faisait partie de l'équipe du scénario, parce que quand Joe était petit, le soir même de Noël, il bousillait tous les jouets qu'il venait d'avoir, et pour Andrew, il a eu de sacrées histoires avec un G.I. Joe quand il avait 8 ans, qu'il avait cassé et sur lequel il avait mis des explosifs pour le faire péter au fond d'un sombre champ avec son meilleur ami. Un peu comme ce qu'on voit du coup dans l'intro de Sid au début du film. Et d'ailleurs, ce qu'on voit comme le Commando Carl, c'est pas un G.I. Joe, parce que quand ils ont montré la scène à Hasbro, qui possède les droits du jouet, ils étaient pas très chaud pour qu'on le voit se faire exploser en 1000 morceaux au fond d'un jardin. Alors qu'Andrew, ça lui tenait vraiment à cœur. Et si vous pensiez que Sid était le perso le plus méchant de l'histoire, dites-vous qu'à la base, Woody était bien pire. Je vous jure, la première version présentée à Disney, elle était catastrophique. À cause de...
Jeffrey Katzenberg. Il est de retour et il me donne des PTSD. Si vous comprenez pas pourquoi, je vous invite à regarder mes deux vidéos sur la Dark Era de Disney. J'ai la flemme de réveiller le procès qu'on m'a collé au cul et les traumatismes qui y sont liés dans l'immédiat. Mais en gros, la promesse qui avait été faite à Pixar, quand ils ont commencé Toy Story, c'était que les équipes Disney allaient les aider. Déjà financièrement, mais aussi techniquement, pour apprendre à faire un film d'animation. Ce qui se passait concrètement, c'est qu'ils faisaient une séquence, ensuite Peter Schneider, le directeur du département d'animation, leur donnait une tonne de retours, ils les incluaient dedans à base d'une bonne nuit blanche, et puis le lendemain, ils allaient chez Disney, les montraient à Jeffrey Katzenberg à 6h du matin. Et surtout, il arrêtait pas de dire à l'équipe d'aller plus loin, d'être plus audacieux. À tel point que ça a donné une version où tous les personnages étaient méchants. Surtout Woody, qui était devenu un sacré connard. Et vu que la version était considérée comme merdique, dire de Katzenberg, mon meilleur ami, Disney a commencé à vouloir annuler le projet, et carrément virer des gens. Donc John Lasseter leur a demandé 2 semaines pour tout arranger, et c'est ce qu'ils ont fait en faisant avant tout le film qu'ils voulaient voir. De manière générale, les délais étaient toujours très courts par rapport aux ressources qu'ils avaient versus ce qu'ils devaient faire. Mais ça les a pas empêchés de faire des dingueries. Comme par exemple pour la séquence où Woody et Buzz rattrapent le camion, qui contient 267 plans, et pour laquelle ils ont dû créer 6 pâtés de maison en maquette. D'ailleurs, le camion de déménagement qu'ils essayent de rattraper vient de la société Eggman Movers, qui est en fait une ref à Ralph Eggleston, le DA dont je vous parlais tout à l'heure, pas du tout à cause de son nom, mais parce que pendant toute la production, c'était son mot de passe d'ordi. Mais la réalité, c'est que cette séquence, surtout la partie de la course-poursuite avec la voiture, elle est inspirée d'une pub Nissan, la Nissan 300ZX que Ridley Scott avait réalisée pour le Super Bowl. Et la boucle est bouclée parce qu'en 1996, Nissan a justement fait une pub pour le même modèle, avec des jouets en référence à Toy Story. Au passage, le fait d'arriver à déformer le visage de Woody comme ça pour la séquence du décollage, bah c'est hyper impressionnant par rapport aux moyens qu'ils avaient à l'époque. Et c'est dû principalement au fait qu'il y avait beaucoup de collaborations entre des artistes tradis et des animateurs. En fait, chaque objet qui était généré par ordi devait d'abord passer par le dessin, par des plans qui étaient confiés à un modéliste pour créer des packs de modèles. Et pour les formes plus organiques, comme les têtes de personnages par exemple, ils passaient par un modèle en argile, sur lequel ils mettaient des tout petits points qui venaient numériser et qui servaient de données de surface pour servir de référence. Comme ça, une fois sur ordinateur, ils pouvaient ajouter une autre surface mathématique à travers les points, ce qui permettait de simuler des muscles faciaux et de créer des expressions du visage assez basiques. Et surtout, c'est un système qui a été conçu pour que des animateurs avec une formation tradie s'y retrouvent et galèrent pas trop à animer. Mais pour que ces personnages prennent vie, il leur fallait une voix, en l'occurrence celle de Tom Hanks pour Woody, qui après chaque première session d'enregistrement était rincé parce que Woody criait tout le temps, carrément il en avait mal au diaphragme, et que surtout il devait être constamment force de proposition, parce qu'il enregistrait toutes ses répliques en moyenne 17 fois, et à chaque fois d'une manière différente, pour laisser du choix au réal, mais aussi parfois parce qu'il mêlait plusieurs prises pour reconstituer une seule réplique, et avoir pile la bonne intention de jeu. C'était vraiment comme écrire une partition. Les seuls qui passaient pas par ce processus-là, c'était les comédiens de doublage des aliens, pour des raisons médicales et techniques, parce qu'ils enregistraient leur voix sous hélium. Les fameux aliens qu'on retrouve chez Pizza Planet, enfin devrais-je dire Pizza Pot, parce qu'à un moment, ça devait être une pizzeria sur un mini terrain de golf. Mais quand je vous dis un moment, c'est un long moment, genre 2-3 ans. Finalement, ils se sont rendus compte à la dernière minute qu'une pizzeria avec un thème spatial, ça serait beaucoup plus cohérent. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais à l'intérieur, tous les clients ressemblent pas mal à Andy. Pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, Rex Grignon, un des animateurs, a dû animer 17 personnes d'un coup et en très peu de temps. Donc c'est un peu tous des clones avec des couleurs de cheveux et de peaux différentes. Wouh ! Et voilà, c'est tout ce que j'avais à t'apprendre sur Toy Story. Je suis trop contente de vous avoir raconté mes anecdotes préférées sur ce film. Je sais qu'on pourrait encore parler des heures de références, d'historiques de Pixar par exemple. Moi c'est pas trop ma cam, mais si vous adorez ça et que vous avez des connaissances là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis jamais ça d'habitude sur un Et tu savais pour, donc écoutez-moi bien, mais si vous avez envie que je fasse un Et tu savais pour sur Toy Story 2, ça sera avec grand plaisir parce qu'il y a encore beaucoup de choses très intéressantes à dire. Donc vraiment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas et bienvenue si vous découvrez cette chaîne. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir et ça me donne beaucoup de force. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux, que ce soit Instagram, Twitter, ça me fait toujours autant plaisir de voir vos configs quand vous regardez une de mes vidéos, que ce soit sur un ordinateur absolument pété ou dans un home cinéma à 1 million d'euros. Je commence à me poser des questions si vous me regardez d'un home cinéma à 1 million d'euros, mais ok. De mon côté, je n'ai plus de voix, je ne sais pas pourquoi, j'espère que ça s'entendra pas trop dans la vidéo, mais il y a des fois où j'ai galéré de fou à parler, là, genre vraiment, je sais pas pourquoi, je crois que je suis en train de tomber malade et c'est terrible. J'espère que vous allez bien, j'ai l'impression que ça fait genre vraiment très longtemps qu'on n'a pas parlé, vous et moi, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, peut-être qu'à un moment, ou peut-être sur Instagram, je ferai une FAQ ou un truc comme ça, parce que j'ai vraiment l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas parlé avec vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !